Après le succès de Joy for the Planet et mon aventure journalistique à travers l'Europe en 2018, qui avait généré un film et un livre, La route de la joie, je reprends la route pour fêter le lancement de mon nouveau média en ligne, Planète Vagabonde. Je pars début juillet sur mon nouveau destrier, une Fiat 500 de 1970 qui m'a été généreusement prêtée par le fondateur de Buffa et Fils S.A., Patrice Buffa, une entreprise de peinture pour bâtiments et carrosserie à Yverdon-les-Bains. C'est une des dernières Fiat 500 en 75, avec le moteur de la 600, qui était déjà une évolution. Mon chaleureux parrain l'a embellie pour l'occasion et m'a donné un cours de conduite certainement très utile pour prendre en main ce petit bijou que nous avons baptisé Dolcezza, traduisez « petite douceur » en italien. Vous découvrirez son nouveau look début juillet, le jour du départ. Alors, ce qui est important avec les interrupteurs, ne pas oublier les phares. Oui. Parce que autrement, bah, tu n'as plus de batterie le matin. Hein. Tu mets le contact et ensuite tu tires le démarreur. Si tu vois qu'il ratatouille un peu, tu peux retirer un tout petit peu le choc. D'accord. Cette journée d'initiation donne déjà le ton de mon nouveau périple journalistique avec deux rencontres incroyables dans la même journée. Toujours grâce à Patrice Buffa. Celui-ci me présente l'homme qui a préparé sa petite Fiat. C'est José Rosende, un pilote hors pair et restaurateur de voitures anciennes parmi les plus rares au monde. Mais ce n'est pas tout. Au premier étage, entre les peintures et l'huile de moteur, son fils de 13 ans, Alexandre Rosende, a déjà remporté plusieurs prix internationaux de piano. Écoutez donc. Entre le carrossier génial, l'adolescent surdoué et sa grand-mère qui crochette paisiblement à côté d'une vieille Bugatti, je me suis dit que mon aventure ne pouvait pas mieux commencer. Rendez-vous dès le 2 juillet sur Planète Vagabonde, mon média 100% humain, à la rencontre de la vie ordinaire, extraordinaire. Merci à Patrice Buffa, grâce à qui je peux vivre ce mini-rêve pour moi et pour mes lecteurs. Voilà un homme providentiel, généreux de cœur, lui aussi pilote d'avion et de Formule 3, entrepreneur passionné, père de famille et qui a fait de sa vie une merveilleuse palette de couleurs.